Et bonjour amis Carbonautes, on se retrouve dans l'épisode 3 de notre saison 2 de Kerbal Space Programme. On va continuer l'aventure pour créer une station d'essence orbitale autour de Kerbin, mais avant ça, un petit tour d'actualité scientifique du moment, avec une dédicace très particulière puisque nous sommes dans la chasse aux astéroïdes. On va dédicacer ça à la mission Osiris-Rex et on va en parler tout de suite. Voilà, on découvre l'image du satellite, de cette sonde Osiris. Donc c'est une mission de la NASA qui est partie le 29 septembre en direction de l'astéroïde Bennu. Alors Osiris, on voit bien la connotation égyptienne du dieu égyptien, et Bennu c'est un patronyme en fait qui fait référence à l'oiseau de la mythologie égyptienne qui représente l'âme. Un petit clin d'œil. Bennu, c'est un astéroïde de type géocroiseur qui donc passe en orbite proche de la Terre et si tout se passe bien nous ramènera de la régolithe en 2023. Et maintenant un petit mot de notre chouchoute Rosetta qui était autour de la comète 67P depuis 2 ans. C'était une première mondiale, je vous le rappelle quand même, et c'est les Européens qui l'ont fait. Donc la mission est enfin terminée, c'est un succès et ils ont décidé de crasher le 30 septembre dernier le petit satellite tranquillement. Donc vous verrez les images du crash, les dernières images qui ont été prises sur le site de Futura Science. Je vous mettrai le lien, vous irez voir. Voilà, et pour finir, des nouvelles de la mission ExoMars, la mission de l'ESA, l'agence européenne. Elle a eu une grosse correction de trajectoire le 20 juillet dernier, pour accélérer et avoir une meilleure arrivée sur Mars, qui est prévue, elle, le 19 octobre. Donc on aura de l'actu aux infos, vous ne louperez pas ça. La sonde elle-même détectera de la vie si tout se passe bien, grâce à des gaz de méthane, et la capsule Schiaparelli que vous voyez détachée de la sonde, elle sera propulsé à 21 000 km/h dans l'atmosphère. Son bouclier thermique devrait tenir. On verra tout ça. Voilà, on va passer maintenant au jeu en lui-même. Et c'est parti. Ok, pour ne pas le confondre déjà, on va le renommer. Je viens d'y penser à l'instant. On va l'appeler chasseur d'astéroïdes, mais eux acceptent. Et puis ce n'est pas un lander. C'est un vaisseau piloté, je suis d'accord, accepte ça ici. Branche les SAS, d'accord. Donc le navbol est bien réglé. On va regarder ce qu'on peut faire. On est là. On est là, et nous, on veut ce gros astéroïde. Donc on n'est pas du tout orienté comme il faut. Non, pas du tout. On va passer un peu le temps. Ça se passe comme ça. Voilà, à peu de choses près. On est bien. On est bien, on est bien. Et l'inclinaison, on n'avait pas une inclinaison quelque part. Bah non, puisqu'on est en dehors. On est en dehors. Ça, par contre, ce que je regarde, c'est que je n'ai pas la pente. Donc, grosso modo, on est à 45 degrés. Hein. On va donc partir par là. Ok, eh ben c'est parti. Il n'y a plus qu'à. En consommation, on est bon. Orbite inclinée, elle n'est pas parfaite, on a un écart de 13 degrés. Je me suis débarrassé de mon fuel tank qui était à sec, évidemment. On va voir maintenant la correction. Donc ça me dit 13 degrés d'écart, 13 degrés. Est-ce qu'ici j'aurai le temps de faire un correctif plutôt en bas? On va se mettre ici, sur le mot. Hop. J'ai besoin de ça, non pas tellement pour l'instant, on verra après si ça coûte cher. On se rend pas compte. Hein.
je veux par là. 10 degrés. 4 degrés 7. C'est déjà beaucoup plus facile. 2 degrés 7. 1 degré 4. 0,9. Hop, je remets le SAS. J'arrive vers ma cible. Et on aura un écart de 0. Ce qui est parfait. Voilà. Est-ce que ça me met vraiment 1052? Ah oui, tout moteur confondu, 1052. Allez, on va accélérer gentiment. On va durer de l'épisode, parce qu'il sera long, je peux pas vous dire. Au moins s'accrocher à l'astéroïde aujourd'hui, on verra après ce qu'on fait. C'est parti! Oui, je regardais la vue polaire parce que je trouvais ça très beau en fait. Regardez ça. On va glisser pour incliner un peu l'orbite. L'avantage c'est qu'on consomme pas beaucoup en temps nucléaire donc et de décoller dans le bon angle quasiment. Bon, 13 degrés c'est pas méchant. On n'a pas consommé tant que ça de fuel liquide. Ça va sur 3880. Là je suis rendu à 2700. Peut-être qu'il va me rester 2000 avec un peu de chance. Assez pour rejoindre l'astéroïde. Allez Eliane, on compte tous sur toi. Parce qu'après une fois accroché, c'est bon quoi. Je pompe mon minerai, je fais du carburant. J'aurai tout le confort pour le ramener en orbite sympa avec les moteurs. Sans aérofreiner. On regardera un petit peu ensemble vite fait, puis je ferai en off peut-être pour ramener nickel. On verra. Alors le moteur tout ensemble, vous avez vu, j'ai pas dépassé les 300 000 crédits, hein. C'est des moteurs bon. On arrive à des vaisseaux à ce prix là maintenant tout le temps. C'est vrai qu'au bac à sable t'es peinard, tu peux faire plein de trucs marrants, mais le défi là c'est vraiment économique quoi. Des contraintes. Alors, attends, on va corriger un petit peu. On a le temps, on a le temps, hein. Le chrono est indicatif à ce niveau là. On va dire que c'est parfait. Nous avons un écart de 2 degrés 3 quand même. Oh, 2 degrés 3. Petite sauvegarde, on va essayer un truc. On va se mettre dans cette position là. Attends, attends. Non, ça change rien du tout. Ça change rien. Bon, et maintenant on va voir accrocher cet astéroïde. Et bah, si on se met ici et qu'on l'attrape à son périgée, à l'apogée, on va construire énormément. On va essayer de le choper au périgée un petit peu. On va voir ça. Donc ça fait partir quand même ici tout simplement. On fera une manœuvre ici d'accélération. Je suis bien dans le bon sens, au moins. On dirait que oui. J'accélère. Ouf. 760. On accroche quelque chose. Là, c'est bien. Si j'accélère plus. Ah. Si. J'ai attrapé quelque chose, on va vérifier ce que c'est. Mais c'est la mune, c'est bon. On est dans le plan de la mune. Non, 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 non. Mid encounter, allez, on réduit. J'y ai cru. Hein. Si
Intersection 1, intersection 2. Eh ben écoute, pareil, sauvegarde, si ça va pas après, on reprendra dessus. On va se mettre à ce nœud de commande. Il est caché où? Ici. 2046 de poussée, pareil. Voilà. On se met comme il faut. On va tirer un petit peu. Écoutez, on se retrouve après la poussée pour voir comment est-ce qu'on peut l'attraper, quand est-ce qu'on aura une fenêtre. On est dans la fenêtre, degré 2,3. On n'a pas le temps, on a vite fait de corriger encore un petit peu. 2,3 2 0,8 0,2 0,1. C'est pas un 0, j'aime bien les 0 et 0. Ok, 20 secondes de poussée. On va mettre sur le même plan quand même pour être tranquille. C'est bien, ça va être formateur pour pilote, j'espère. Petit correctif comme ça. Vraiment pour être parfait, parfait. Oula. Tellement parfait que j'ai pas fait gaffe. Voilà, on se remet sur le plan de l'orbite d'astéroïde. Couche dessus. C'est de faire dans la perfection. Attends mon gars. 0,2 seconde près. Hop, bon. Nous y voilà. Eh bien écoutez, il n'y a plus que à attendre que ça passe. Ok, on voit que ce n'est plus très loin, ça s'accélère dans le puits de gravité de Kerbin. On repartir après. Alors, comment on va faire? On se met au périgée. S'il te plaît, on va faire un nœud de commande. Add manœuvre. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? En plus, l'inclinaison n'est pas géniale. On peut pas corriger ça. Oh, punaise. Déjà, si je me mets ici, comment je vois ça? Je peux accélérer un chouïa. J'accélère. Je vois que ça s'approche. Ça se dépasse. Non. Non, je n'ai rien du tout. Réduit un peu ma vitesse, non. L'angle, lui, n'a rien à voir, on est à 0,1. J'avais quelque chose. Ah ben voilà, 215 km. La pente est bonne, 3 km. Oh là 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 là. Pareil, sauvegarde, c'est tellement bien. Je suis rendu à 3 km. 3 km. Ouais, j'ai fait une sauvegarde. Bah écoute, ce qu'on va faire, on va se mettre sur le point du nœud. Voilà. Il est bien. Ok. Micro poussé, voir combien t'en mets. 27 secondes, ok. On va avancer là.
crois, un peu si j'ai pas trop dévié mon. Je suis resté à 3 km. Très bien. Et l'astéroïde, il arrive tranquille, avec sa vélocité à 471 mètres seconde. D'accord. Allez, on va se mettre en position du nœud de manœuvre. Vu l'accélération de l'astéroïde, il y a intérêt à être précis. Sinon, je vais me faire cuire. Doucement, doucement, cow-boy. Oh. On coupe en accélérant, c'est vrai, j'oublie tout le temps qu'on peut bidouiller comme ça. Voilà, reviens dessus, t'es bien. Hop. Il faudra faire attention à la poussée. On va se rapprocher déjà. Hop. Je sens que ça va être coton. 128 mètres secondes. Ouais, ça va être énorme, énorme, énorme. Ça va. Dit 45, mais je pense que c'est moi. Allez, on se rapproche. On fait pas les kékés. Les crottes. C'est beaucoup moins. De la difficulté d'attraper un petit planétoïde microscopique, donc là, un astéroïde. Ce n'est pas une planète, hein, c'est chaud. On réduit vachement, parce que cette fois, j'en ai marre de rater mes objectifs, sinon... Vous le voyez pas, mais les lancements, des fois, c'est long, c'est long, c'est long. On réduit, on réduit. On est comment, là? On est bien. Je corrige, hop, à zéro. Qu'est-ce qu'on a? Je vais aller au RCS. Hein. Séparation, voilà. On va au RCS. À la limite même, on va se mettre en prograde. Il n'y a pas que comme ça, mais bon. Voilà. On regarde ce qui se passe. Ouais, là je suis à 16 km. Je peux pas mieux. Bidouille, 1,2, 3,3. On y est, on y est. 3,3, j'ai sauvegardé, j'ai bidouillé au RCS pour les finitions. Donc... bah, on y va, hein. J'ai fait une sauvegarde, je crois, mais dans le doute. On va se rapprocher. C'est parti. En espérant que la mine ne vienne pas dans le jeu. Nous embêter. Donc te voilà, SJL 326. Même s'approcher, on va être comment je pourrais là. Et là il me dit que je suis à 97. Si je ralentis 3,8 2,2 1,9, donc c'est ça, c'est un deuxième point qu'il faut. Déplacement, non, 18 km. 11. Là je chipote, hein. 10,3 et l'angle 11,4 11,1. La réaccélère un petit coup, 4,5, ça va pas. 1,3, on va y arriver, hein. 1 km 1 km 8 2 km. Attends, j'accélère, c'est pire. Kilomètre. On va essayer de faire venir 2 km à peu près, si on peut. 2, 4. 1,2.
si je monte l'angle par là. 3,7, 1,2, si je descends, 4,6. Donc c'est pas l'angle. Remets ça bien, s'il vous plaît. Ah! 5, non. 1 km. Bon, est-ce que c'est le décalage? 3,2, non. 3,4. 900 mètres. On va se garder ça, 900 mètres. C'est parti, deuxième correctif. Le succès, aujourd'hui, déjà, de s'accrocher, ce sera pas mal. Hein. Voilà. J'ai pas beaucoup à corriger. On y va. J'ai quoi? J'ai une seconde de poussée. Eh ben, il vient d'arrêter à 3 minutes. Donc ça, c'est la donne que j'ai mis alarme clock, je crois. Voilà. Très pratique. Croise les doigts que ça marche. Et on réaccélère un chouïa. Là, si je faisais... Ouais, ça reste à 3 minutes, d'accord. 40 secondes, 30 secondes. Allez, on va peaufiner. Comment on est? J'ai une intersection dans 2 km. C'est rien à 2 km. Ouais. Bon. On va se mettre avec la cible en rétrograde. On va aller la chercher. Hein, on va être zen. Il y a 721 mètres. Ok, il me reste à peu près 1100 de liquid fuel. Et on a 721 mètres secondes à réduire. C'est gérable, hein. On va peut-être avancer comme ça, plutôt. Voilà, ça approche dur. Dans 38 minutes. En fait, il m'a fait un point de rencontre assez bancal. Je m'en rends compte maintenant, il a fait quelque chose de beaucoup plus doux à l'apogée. Ça marche, on incline dur. Ok, on peut s'approcher encore. Il y a moins de 10 minutes, 7 minutes, 6 minutes. Allez, on croise les doigts. Freine dur. Dans 6 minutes la rencontre, on va prendre la moitié. Pour vraiment que ce soit efficace. On va prendre 3 minutes. Voilà, on nous reste à peu près 2 minutes 36, c'est parti. Encore, on va taper sur 2 minutes, j'avance, hein, mais voilà. D'ailleurs, est-ce qu'on peut le voir? Ah, ça va être le point là-bas. Ok,
Ça arrive en liquid fuel, hein, je suis à 800 à peu près, 750 bientôt. On est à 400 mètres secondes, c'est bien. On remonte à l'intersection de quasiment 2 minutes. On avance un petit peu. À 1 minute, ça serait bien. Et on continue. 300 mètres secondes. Distance 15 km, 14,5. On va laisser faire. On va se rapprocher un petit peu. On va le laisser s'approcher. Voilà. Là, il est à C'est chouette ça. Il est où? Voilà, il est à 2,8 km. On réduit tout ce qu'on peut. Allez, allez. Mètres seconde, il y a 4,5 km. On se dépêche. Il me reste dans les 350 de liquid fuel, 5 km. Et on arrive à 0,1 mètre seconde, très bien. Ok, on va se caler, on va chercher. Là, si, ça va être ça, alors. Bon, bien. Ça, la cible. Eh bien, on est parti pour, hein. Allez, on va accélérer. À 6 mètres secondes. On accélère un petit peu, qu'est-ce qui se passe? Voilà. On va se mettre en rétrograde. La 2,8 km. C'est bon, on s'approche. Hein. On va ouvrir les grappins. Je vois que c'est bugué les bras. Je n'ai rien demandé. Voilà. Hop! Là, on est bien. On va se mettre carrément sur la cible et on va approcher à 10 mètres secondes de l'astéroïde. On va réduire. Et on va se faire plaisir, j'espère. On va rentrer des panneaux solaires de devant. Là, les enfants, je compte sur nous. Allez, Eliane. On branche. On branche, on branche. On est à 1,5. Alors, comment ça se passe si je me mets comme ça? On va tourner. Non, ça part à gauche. Ok. Je regarde un peu mes... Je serai mes monopropellants. Donc là, c'est pour baisser normalement. Voilà, comme ça c'est bien. Et là c'est pour... Bref, on s'approche.
Effectivement, 700 mètres, 600 mètres. On va se mettre dans le bon sens. Alors, je regarde ma navball, j'essaie d'amener la mire du vaisseau sur la cible. Voilà, oh non, c'est ça qui marche. Ce qui veut dire aussi que mon nez doit pointer. Voilà, j'ai coupé la scène. Je les rebranche. Et on y va joyeusement à 2 mètres secondes. Et là, on doit être bon. C'est la meilleure solution maintenant. Et à quoi il ressemble ce truc? On va voir ça. On est rendu à 300 mètres secondes. Je peux allumer les phares. Et ouais. Ah, quand même. C'est pas un petit caillou, hein. Est-ce que je pourrais modifier la poussée? Je ne sais pas. Eh ben, on y va. On est quasiment bien aligné. Et là, oui, encore une sauvegarde. Tiens, c'est marrant, on voit des veines violettes là-dessus, je sais pas pourquoi. Ce serait le minerai ou un défaut de texture? Ou ce serait vraiment la texture de l'astéroïde? Et ouais, il est beau, hein. Il est beau. On reste encore à... coupe plat, se mettre bien comme il faut et j'aligne le vaisseau sur ma cible. Oh là 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 là, regardez-moi ça, toutes ces veines violettes. Ah, il est superbe, il est superbe. Et oui, je prends une petite photo. Eh ben mon coquin, j'ai eu du mal à t'attraper. Hein. Alors, on aurait dû la pousser. Quel angle je vais arriver encore? Donc j'ai deux grappins. Est-ce que ça va bien le faire? J'ai plein de courant. Je vais rentrer mes panneaux. Et eux aussi. Évidemment, la commande ne marche pas. Rétracte. Rétracte. C'est pas mal. C'est pas mal du tout, là. Pas trop cabossé. Après, est-ce que j'aurai la force de le mettre... 5. Est-ce que j'aurai la force de mettre en prograde tout ça? Oh là là, attention, ça approche. La cabine juste à côté. Je vois les feux. Alors. Je suis bien là. Est-ce que je ferais pas mieux de tourner? Réduire de vitesse. D'accord. On s'est éloigné. Attention, agrippage. Là, hein. Il faut chercher un point de contact. Allez. C'est bon. On l'a. C'est un succès. Oh la vache. J'y suis. Bon, on va pouvoir sortir les panneaux, vous croyez ? Ceux-là, ils sont proches.
Si, ça le fait, ça le fait. Par sécurité, peut-être qu'on va les rétracter cela. Celui-là aussi. Alors, on est comment? Ok, apogée 83. On est bon. Nous sommes sur l'astéroïde. Youpi. Bon. On peut le renommer. L'astéroïde SGL 326. On va l'appeler station essence. Ok. Et voilà, c'est bon, ça c'est fait. Est-ce que j'ai la force maintenant? Avec, par exemple, les propellants. Et oui, je peux, ça marche. On peut le mettre comme il faut. Très bien. Maintenant, on va déployer les drills. On va voir si on a du minerai. Deploy. Ok. Et puis, démarrage. Toi aussi. Start Asteroid Harvester. C'est cool. Écoutez, ça monte. Ça monte. On va voir. On accélère le temps. Waouh, et ça baisse même pas au niveau du courant. Ce côté-là, c'est bon. Quasiment 2700. Voilà. Donc là-dessus, c'est fait. Et est-ce qu'on peut, du coup, par exemple, on va se refaire du liquid fuel. On va voir l'électricité, comment ça marche. Impeccable, plein effet. Waouh. On va demander des monopropellants. Tant qu'on y est, hein. Monopropellant. Allez, on refait le plein complet de la machine. Voilà. Et on a le plein en minerai. Donc, il faut stopper. Stop. Alors ça, ce sera le truc à faire. Super. Je n'avais pas fait de science, mais du coup ma cabine est carrément un crew report. Non, il n'y a rien du tout. Et je ne vais pas le risquer. Est-ce que je crois qu'il est dedans? Comment il est? Le truc, c'est est-ce que j'aurai un moyen de rentrer dedans après? C'est là la porte? Non. Voilà, c'était là, ouais. Mais on va pas le sortir, on va pas risquer de perdre un carbonaute vu comment on est installé. Mais écoutez, voilà, on l'a fait. Si ça c'est pas beau, c'est excellent. Bon bah c'est un succès. On va terminer au spatioport, au Space Center, parce que finalement on va terminer aussi là-dessus. On va dépenser nos points de science, parce que le temps d'approcher tout ça. On va faire le Xénon SACT. J'ai ramené un peu de science qu'on va dépenser. Vous voyez, on a 2309 points. Pour fêter, on va tout dépenser et débloquer le dernier tiers de science. Il nous restait le large probe. Ok, c'est vendu. Et ici, c'est donc pour faire encore un générateur de thermoélectricité avec le carburant. C'est vendu aussi. Et normalement, j'ai débloqué le dernier tiers. Voilà, il ne se passe rien. Ah si, au top de la technologie, 100 points. Bon bah je vous ferai un petit clin d'œil en conclusion pour voir le rang où j'en suis. Et hop, voilà, donc j'attends un tout petit peu. Et la mise à jour KSP Player. Alors on peut voir le succès et par rapport à la chronologie de l'enregistrement. Ça date du 22 septembre, le top de la technologie 100 points. Et j'avais fait l'intro un petit peu après évidemment. Je suis donc classé actuellement, si on n'arrive pas à le voir, 104e, on approche du top 100, les amis, enfin, 2345 points, 94 succès accomplis, voilà. Très belle mission, dans le prochain épisode, on verra la mise en orbite de la station essence, tout simplement. Donc, ma question, voilà, on va revenir dessus,
On revient sur le chasseur d'astéroïdes. On ne voit plus le satellite, enfin l'astéroïde du coup. On ne voit que la navette qui est accrochée. On voit toujours l'autre petit caillou, que je ramènerai sûrement aussi sur Cam, comme je le disais. Et je vais nommer la navette en station. On va l'appeler station essence. Mais j'aimerais que vous me trouviez un nom. Eh bien, pour l'astéroïde, tout simplement. Parce que quand même, on voit la classe du bousin. Des nervures violettes radioactives, voilà, donc on va le rebaptiser. Et on verra tout ça au prochain épisode. C'était Camon, je vous dis à bientôt, c'était l'épisode 3 de la saison 2. Ciao, ciao, ciao!